Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur God of War pour voir comment ouvrir la porte de la forteresse de Vesgard, donc à l'intérieur de la zone, hein, pas la porte pour entrer dans la zone, mais la porte pour ouvrir la forteresse dans Vesgard. Et donc là, il y a une porte avec plein de runes un peu partout. À gauche, il faut tourner les tourniquets pour faire afficher un R et une flèche en haut. Je pense que ça, vous n'avez pas trop eu de mal à trouver. Vous éclatez les ennemis, hein, c'est rapide. Hop. Y a un R. Y a une flèche. Et ensuite, à droite, il faut faire la même chose. Sauf qu'on n'a pas les symboles d'afficher. Il faut les trouver un peu partout dans la zone. Et en vrai, giga flemme, je veux juste vous dire c'est quoi les symboles. En vrai, déjà, il y a un symbole qui est caché dans les cartons juste là. Vous pétez les caisses et il y a un symbole. Et le deuxième, je sais pas où il est. Mais après, vous faites ça en plouf plouf, hein. Quand vous avez un symbole, le deuxième, il vous suffit de tester les trois. Et puis, il y a bien un des trois qui va marcher. Et en l'occurrence, les symboles à trouver, c'est ça. F en bas et N en haut. Le F, il est derrière les cartons là. Le N, je sais pas où il est, mais je vous le donne. Voilà, c'est N. Et la porte va se déclencher toute seule et va s'ouvrir. Voilà. En tout cas, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne au travers du Tipeee, ça aiderait beaucoup à son développement. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao! Mon tout nouveau livre avec illustration où je parle de 40 jeux vidéo à découvrir d'une dizaine de genres différents, fan-made Pokémon, RPG, jeux de survie, jeux d'horreur, jeux narratifs et bien d'autres, est disponible sur Amazon au format broché et relié. N'hésite pas à y faire un tour, le lien est juste à côté.